Bonjour Serge. Bonjour Anan. Comment allez-vous? Très bien. Bonne année déjà. Bonne année à vous aussi. Tous mes vœux de bonheur, succès, santé et tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup. Bonne année. Bonne année Jerry. I'm also wishing you great health and you know. Un meilleur vœu, santé, good bonheur, etc. Lot of money, mm-hmm. prosperity. Yeah. Santé, beaucoup d'argent, no. prospérité. C'est pas mal. Merci, I wish you the same as well. Mm. So, yeah, in the sci-tech world, what are we talking about? Oui, donc, quoi est-il question aujourd'hui dans sci-tech? D'aéronautique et de santé. OK. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette chronique sci-tech que j'ai le bonheur de vous présenter. Parlons dans cette chronique de SpaceX, le groupe d'Elon Musk qui a connu un vrai succès puisqu'il a effectué 21 lancements spatiaux en 2018, soit deux fois plus qu'Ariane Space. Le groupe va de succès en succès et a dévoilé sa nouvelle capsule habitable prête pour ses premiers essais orbitaux. La version habitable de la navette de ravitaillement Dragon, le module Crew Dragon de SpaceX a été installé le 5 janvier dernier sur sa rampe de lancement en Floride. Il devrait permettre le transport des membres de la NASA jusqu'à la station spatiale international. Le premier test orbital doit avoir lieu d'ici un mois et le premier vol habité en juin 2019. Depuis 2012 et le retrait de la navette spatiale américaine, le module sans pilote Dragon de SpaceX assure en partie le ravitaillement de la station spatiale internationale et d'ici peu, une version habitée devrait entrer en scène. La capsule Crew Dragon reprend la même architecture que la précédente, avec une cabine modifiée pour rendre les futurs voyages de l'équipage plus confortables. Plusieurs éléments ont été ajoutés, comme des sièges en fibre de carbone, quatre fenêtres pour une vue panoramique et un contrôle de la température. Conçu à la base pour le futur tourisme lunaire, Crew Dragon sera en fait initialement utilisé pour les transports des astronautes de la NASA jusqu'à la Station spatiale internationale. Repoussé à plusieurs reprises, ce premier voyage habité ne devrait plus tarder. Avant toute chose, sachez, chers téléspectateurs, que l'appareil doit encore subir une batterie de tests en vol. Le premier vol test baptisé Demo 1 devait avoir lieu seulement hier, mais a été repoussé à au moins plusieurs semaines. Alors, toute autre chose, Serge, vous nous parlez également des avancées de la recherche en matière d'épilepsie ou de traitement de l'épilepsie et de la maladie de Parkinson. Oui, tout à fait. Anan, il faut savoir que ceci grâce à un implant cérébral qui s'annonce révolutionnaire, qui permettrait de traiter cette maladie précisément et d'autres maladies neurologiques. Lors de la prise en charge de ces maladies, la stimulation du cerveau est utilisée par les médecins pour traiter la dépression, les effets d'un accident vasculaire cérébral ou encore l'épilepsie. Cette technique consiste à envoyer des impulsions électriques pour contrôler l'activité du cerveau. Cependant, jusqu'à présent, les dispositifs utilisés ne permettent pas de stimuler l'activité cérébrale et de l'enregistrer en même temps. Une équipe de chercheurs américains de l'Université de Californie à Berkeley a mis au point un neurostimulateur qui semble y parvenir. Cet implant cérébral baptisé WAND pourrait améliorer le traitement de l'épilepsie et de la maladie de Parkinson, deux affections neurologiques. L'appareil est capable de surveiller l'activité électrique dans le cerveau et d'apprendre à identifier les signes anormaux annonciateurs d'une crise ou de tremblement. L'implant peut ensuite moduler ces signaux électriques afin de les éviter. Les chercheurs ont d'abord testé WAND avec succès sur des macaques. Le fait que WAND puisse utiliser le cerveau et enregistrer l'activité cérébrale en même temps, pourrait donner lieu à des traitements adaptés à chaque patient, à chaque affection. Et si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez nous écrire à @kkofiserge. Je suis sur Twitter. Je suis Serge Kofi. Et merci d'avoir suivi cette chronique. Je vous dis à la semaine prochaine.